Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On vient de rentrer du sport là, on vient de vous filmer un entraînement pour le haut du corps, pour les épaules, le dos et les triceps. Et puis on va vous montrer un peu tout ce qu'on a mangé cette semaine. Des petites recettes. Clem vous a préparé plein de petites recettes à refaire chez vous, donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu en commentaire. Et on vous filme très prochainement nos entraînements à faire. Avec moi. On voulait vous remercier parce que désormais on est 40 000 sur la chaîne. Merci à tous ceux qui nous soutiennent et qui regardent les vidéos, qui laissent des petits commentaires tout le temps. Donc on voulait vous remercier. On est aussi super content d'avoir vu vos retours sur notre dernière vidéo qui parlait de la nutrition. N'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas vue encore. On vous la laissera ici. Ok, donc on espère que ça vous a plu. On est super content et on va essayer de faire évoluer la chaîne toujours avec une vidéo par semaine le dimanche matin. On voulait aussi vous dire, je pense qu'on vous l'a pas dit encore, qu'on prépare un nouveau voyage dans un endroit dans lequel on a déjà été mais qui nous a vraiment marqué. Dans moins d'un mois. Donc on va vous préparer quelques vidéos en avance pour pouvoir les poster. Donc on vous laisse avec la vidéo. C'est parti. Alors là, je viens juste d'aller faire mes courses et j'ai genre grave soif. Du coup, ce que j'aime bien faire, c'est un peu comme quand je me réveille le matin en fait. Genre, je me fais à peu près 1 demi-litre de citron dans de l'eau hyper fraîche et je trouve ça hyper désaltérant. Donc, ok. Je suis en train de faire à manger et je voulais vous montrer vite fait ce que je fais parce que ça peut vous donner des idées. Le midi, je mange souvent des légumineuses genre pois chiches ou haricots rouges. Et là, pour changer un peu, j'ai fait des pois chiches au four. Je mélange mes pois chiches avec des épices. Comment est-ce que ça donne? Du coup, ça me fait des petits pois chiches tout grillés. Ça va me faire un peu comme des petits gâteaux apéro. Ça va être hyper bon, je pense. Ça va être croustillant. Donc là, je les ai mis à 180 degrés pour peut-être 20 minutes. Vous vérifiez, le tout, c'est que ce soit bien grillé, que ça brûle pas. Et en attendant, je fais cuire les pommes de terre pour faire une purée maison. Et aussi des petites carottes. Donc là les carottes, je les ai juste coupées finement et je les ai juste fait revenir avec un petit peu d'huile de coco et rien d'autre. Je pense qu'on mettra juste sel et poivre. Et voilà. Voilà ce que je mange ce midi. Du coup, c'est des petites carottes, des pois chiches grillés et de la purée maison. Pommes de terre écrasées. Bon appétit!
petit matcha latte. Ce soir, on fait des crêpes. Je vous montre, je suis en train de faire la pâte salée. Hop. Donc, la pâte salée, je mets juste farine de sarrasin, un œuf et de l'eau. Jusqu'à ce que la consistance soit bien liquide. Et là, je vais la laisser poser un peu pendant que je fais la pâte sucrée. Et je devrais peut-être sûrement rajouter un peu d'eau avant de faire cuire. Allez, je continue. Pour la pâte sucrée, je vais mettre de la maïzena, de la farine complète, du lait d'amande et un ou deux œufs. Et voilà, ma pâte sucrée est prête. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà cuire mes crêpes sucrées. Comme les crêpes salées, je vais les faire à la minute au dernier moment. On passe à la cuisson des crêpes sucrées. Une petite complète pour moi. Et là, c'est celle de Seb. Une complète jambon et une complète viande hachée. Avec un peu de cidre. Et là, les crêpes sucrées. Miam miam. Hello tout le monde. Bon bah là, du coup, c'est dimanche matin. On vient de sortir une vidéo. Donc, Sébastien a continué de travailler toute la nuit à fond pour la finir. Je viens de me réveiller. J'ai vachement mal à la tête, donc je vais essayer de me souvenir ça. Je pense que je vais préparer mon petit déjeuner, ça va me faire du bien et boire beaucoup pour un petit médicament aussi. C'est parti pour le petit déj. Je vais me faire une petite galette, boire du cacahuète et banane. Ça va me faire du bien. C'est vrai. T'es belle. Vas-y. Yeah. T'essayes les tiennes, je te filme. T'as vraie bonne qualité de ouf. Steve. Appelle-moi. Sébastien. Ouais. Ah
Elles sont bien ou pas? Ouais, elles sont bien. Je me tais pas.